Salut à tous, c'est Kensei et bienvenue aujourd'hui pour une petite présentation du jeu Kin Prologue. Car oui, c'est un prologue, en fait c'est une pré-alpha d'un jeu. Alors je ne sais pas s'il va être gratuit ou payant plus tard, mais je pense qu'il va être gratuit. En tout cas, actuellement la pré-alpha est disponible gratuitement, je vous mettrai le lien pour la télécharger. Et c'est un petit jeu puzzle game plutôt sympathique, dans un univers plutôt sympa, coloré, enfin c'est un jeu... Voilà, j'avais envie de vous présenter tout simplement. Alors vous allez voir, hein, c'est pas non plus foufou comme jeu, mais c'est un jeu plutôt rigolo, plutôt sympa. Allez, c'est une petite vidéo détente les amis, on se fait plaisir et on regarde ça tout de suite ensemble. Donc nous voilà sur le tableau des stages. Donc vous voyez en bas, j'ai plusieurs options donc pour entrer dans le level. Le menu et équipement. Le menu et l'équipement sont grisés, donc on n'y a pas encore accès. Donc pour l'instant, on est dans une pré-alpha, on n'a que la possibilité d'aller dans les levels. Donc on va faire le premier stage et je vais vous montrer de quoi il en retourne. Alors quand on fait les stages, vous voyez qu'on a trois objectifs. Donc dans celui-là, j'ai terminé que le premier objectif, qui est de finir le stage. Sinon, si on finit le stage en moins de 150, oh là, je ne sais plus lire moi. Si on finit le stage en moins de 115 mouvements, bah on a une deuxième étoile. Et si on collecte tous les éléments, on a une troisième étoile. Alors, allons-y. Et comme ça, vous allez vite comprendre de quoi il en retourne dans ce jeu. Alors, comme je vous ai dit, c'est un puzzle game. Et je vais vous montrer comment il se joue. Vous voyez, en fait, c'est un jeu... Vous voyez, où on glisse comme ça et où on est arrêté par les éléments du décor. Donc il va falloir en fait bien gérer le mouvement de notre personnage. Donc c'est un petit puzzle game plutôt sympa. Mais il a la particularité en plus de nous proposer des ennemis. Et des ennemis que l'on va devoir tuer et qui vont pouvoir nous tuer aussi. Donc c'est plutôt sympa, graphiquement c'est plutôt mignon comme vous pouvez voir. C'est propre, c'est coloré. C'est plutôt bien fichu, c'est plutôt bien fichu. Donc c'est un puzzle game hein, pour ce qui est du gameplay et tout ce qu'il y a de plus basique. Mais voilà, j'avais envie de vous le présenter, c'est une petite vidéo détente. Et en plus c'est gratuit. C'est gratuit, donc pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Donc vous voyez, hein, il faut réussir à casser tous les trucs et aller à la fin du stage. Hop, hop, vous voyez, ceux-là, ils bougent en même temps que nous et là... On les tue tous. Tout ce qui est sur notre chemin, en fait, on les casse. On les tue. Voilà. Ça, on n'en parle plus. Hop. Toi non plus, on n'en parle plus. Alors, ici. Alors, vous vous doutez bien que là, c'est facile. Hein, je suis dans le premier stage tutoriel. Mais après, ça va être beaucoup plus difficile. Surtout qu'après, on aura des ennemis qui, comme j'ai dit, qui pourront nous tuer. Donc il faudra faire attention à nos points de vie qui sont en haut à gauche, qui sont représentés par notre nombre de cœurs. Donc j'ai failli crever hein, quand même. Donc il faut quand même se méfier. Ah, là il y a un objet. Je ne l'avais pas récupéré tout à l'heure cet objet. Donc vous voyez, il y a des petits secrets comme ça. Alors là voilà, il y a une petite histoire. Hein. Bon, on va la passer l'histoire. Hein. Je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors j'ai une clé qui m'ouvre la porte. Hop, hop, et hop. Voilà, j'ai terminé le stage. Alors, j'ai pas encore eu tous les objets. D'accord. Voilà, je sais pas où est-ce que j'en ai loupé. Hein. Bah écoutez, on va se faire le troisième stage. Je l'ai jamais fait en plus ce stage. Oui, j'y ai joué très peu. Hein. J'ai fait que les deux premiers stages et je me suis dit, vu que c'est gratuit, pourquoi pas se faire une vidéo ensemble. Ah, là, il y a un nouvel élément de gameplay. Ok, faut appuyer sur les boutons pour ouvrir la porte. Ok. Non. Hop, comment on va faire? Ah oui, ok. Sinon, je sais pas comment aller par là-bas pour avoir l'objet. Use a map. Utilise une carte. Ouais, mais j'ai pas de carte. Bon, bah, je sais pas. Je sais pas. Alors, hop, hop. Alors là, vous voyez, c'est ça les ennemis que je vous parlais tout à l'heure. Qu'il faut tuer absolument. Ok, donc là, ouais, c'est assez labyrinthique, là. Vous voyez, il y a plein de chemins partout. Ça, j'avais pas dans les autres stages. C'est plutôt bien fichu. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ah ouais, donc nous revoilà là. Ah, c'est pour ça qu'il disait utilise une carte. Peut-être c'est à nous de faire une carte. À l'ancienne, vous savez, avec le papier et puis le crayon. Alors, hop. Ok, je vais par là. Hein. Je sais pas trop par où je vais.
là, il y a plein d'ennemis partout, là. Oh là là, lui, il m'a touché. Donc, vous voyez, j'ai perdu un cœur en haut à gauche. Et vous voyez, là, le rond avec le cœur sur lequel je suis passé tout à l'heure, ça me remet toute ma vie. Hein. Donc, ça, c'est assez important. Ah, je crois que je vais récupérer l'objet de tout à l'heure par ici. Ouais, voilà. Ok. Ok, donc j'ai récupéré cet objet. Alors, je sais pas encore à quoi ça sert, ces trucs-là. Alors là, par où il faut que j'aille? Ok, on va aller par là. Ah, mince! Quel idiot. Ok. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas l'étoile de finir le stage en un certain nombre de mouvements. Parce que là, je fais un petit peu n'importe quoi. Ok, là, ça m'a ouvert la porte ici. Ok. Oh là là, okay. D'accord, je peux que aller par là. Oh, il faut que je fasse le tour à chaque fois. Ah ouais, c'est quand même vachement... Là, ça devient vachement labyrinthique, quand même. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ici? Bah non, je peux rien faire. Hein. Ici, je peux rien faire. Je réfléchis un petit peu. Non, de toute manière, on peut rien faire de plus que ça. Non, bah écoutez, là, je ne vois pas trop par où je peux aller d'autre. On va retourner par là. Peut-être qu'il y avait un autre chemin par là, je me rappelle plus. Ouais, il y avait un autre chemin. Ok. Donc ce chemin-là, je ne le connais pas. Ah oui, ok. Donc voilà, j'ouvre le deuxième. Et comment ouvrir le dernier? Ah oui, c'est bon. Mais quel idiot. Bah oui, voilà. Tout simplement comme ça. Ok, et là, on passe. Ah, vraiment sympa ce stage. Hein. Vraiment, vraiment sympa. Ah non, celui-là, il n'y avait pas dans un certain nombre de coups. Ah, no damage. Qui est tué tout le monde, ça, je l'ai fait. Et no damage, oh, ça, il est faisable, hein, le no damage. Hein. J'aurais pu le faire si j'avais joué un petit peu plus intelligemment. On va voir ce stage, ce que ça donne. Ça m'intrigue, là, ce bâtiment. Ouh là là, maintenant, il y a des robots à combattre. Ah, le décor est pas mal, vous avez vu, avec les ordinateurs. Alors, où est-ce qu'on va aller? Hop, allez, on va prendre l'ascenseur. Ah ouais, les stages sont quand même vachement labyrinthiques. Hein. J'aime bien, franchement j'aime bien. J'aime beaucoup. Ah bon, on arrive dans des salles des machines. Oh là là. Allez, toi, hop, on n'en parle plus. Alors simplement, comment récupérer la clé ici? Ok, ok. Ok, voilà. Petit peu de réflexion, ça fait pas de mal. Alors, oh là, là, il y a de l'ennemi, là. Là, il y a de l'ennemi, les amis. Oh là, là, je me fais ces deux-là. Ah, ils me font mal. Ah, je fais n'importe quoi, là, avec les ennemis. Hop. Allez, on repart par là-bas. Alors, j'ai la clé, donc maintenant, je peux ouvrir là-bas. Ok. Ah, des boutons. Des boutons. Ah, et là, je pense qu'il faut les ouvrir dans un certain ordre. Non. Press select to open the minimap. Le problème, c'est que ce jeu n'est pas jouable à la souris. Enfin, à la manette. Oula, ça m'a fait... Ah non, ça m'a fait reset. Il n'est pas jouable à la manette, donc c'est-à-dire qu'en fait, on ne connaît pas les touches. Donc, je ne sais pas du tout. Ce qui dit d'appuyer sur Select pour ouvrir la minimap. Mais je suis désolé, mais j'ai pas de minimap.
J'ai aucune mini-map nulle part, donc ça... Ah, voilà, je l'ai trouvé. Ah, ok, on a une carte. D'accord. Et vu qu'en fait, on n'a pas les boutons du jeu, donc c'est pas toujours évident. Alors non, ici, j'y suis allé. Alors, il faut que je retourne là où j'étais. Ah, les ennemis, on repop. Les ennemis, on repop. Saleté d'ennemis. Bon, de toute manière, écoutez les amis, hein, c'était une petite présentation très rapide du jeu. Hein. Donc, le jeu Keen, le prologue, ben voilà, et je meurs, comme ça, si c'est pas beau. Keen, le prologue, hein, qui est un jeu totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est une pré-alpha. Donc, n'hésitez pas, sautez dessus. C'est un jeu vraiment sympathique, bien pensé, voilà, quoi. C'est un petit puzzle game qui se prend pas la tête. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde, ciao, bye bye.